On est arrivé au terme de notre interview, mais on voudrait bien que tu ouvres officiellement le portail. Je vais quand même dire un dernier mot. Hein. D'accord. Hein. Le portail est ouvert. Yo, 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 la famille, c'est Crackflow. Welcome back, de retour sur la plateforme Crackflow sur le théâtre d'amis. Aujourd'hui, nous allons parler, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, à un clash, encore un clash, qui s'oppose dans l'industrie de la musique gabonaise, donc qui s'oppose entre deux rappeurs, notamment Domon au Flow du Sud. Qu'est-ce qui se passe encore dans l'industrie de la musique au Gabon? Tout savoir, c'est sur Crackflow. Donc, j'espère que tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, t'inquiète pas, Ndami, c'est sur la plateforme. Je te laisse du temps à t'abonner. Active la cloche de notification. Active cette cloche, c'est très important pour la suite des événements. Et surtout, mets un pouce bleu si tu aimes la vidéo, le contenu. Et surtout, ça encourage et ça donne de la force. Si tu veux un peu participer à la plateforme Crackflow qui est là pour vous, tu es la bienvenue. Déjà, bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne pour la toute première fois, c'est sur Crackflow. Faites comme chez vous les gars, c'est la famille, avec courtoisie bien sûr. Donc, j'espère que tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, sans plus tarder, Kaja. Yo, 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 la famille, c'est Crackflow. Welcome back sur la plateforme Crackflow. Comme je le disais, notamment, tu as pu voir dans le titre de la vidéo, voilà, nous allons réagir à un clash, encore un clash qui oppose deux rappeurs de l'industrie de la musique gabonaise, notamment Domon au Flow du Sud. Donc j'espère que tu es prêt, mais avant de commencer les hostilités, laisse-moi planter le décor afin de pouvoir mettre tout le monde au parfum. Tout le monde ne connaît pas l'industrie de la musique au Gabon. Donc voilà, pour tout savoir, tout commence avec une série de vidéos que le rappeur Amenem enchaîne sur le titre « Personne ne sort ». Yeah, tu as pu kiffer. Et dans cette vidéo, il y a l'artiste Arnold Jude qui revendique, voilà, le statut ou bien le droit, le cachet des artistes après avoir presté à une émission ou un programme ou un événement surnommé Gabon 9 Provinces. Donc, au sorti de là, voilà, ils n'ont pas été payés. Hein? Déjà, je voulais en parler. Mais bon, trop de choses à dire, trop de choses à faire. Donc, sur ce, ça tombe bien parce que nous allons parler de tout ça. Donc, dans cette série de clash ou encore dans cette série de vidéos, de musique que le rappeur Amenem, déjà, chapeau à lui pour avoir mis en place une structure, voilà, quelque chose, un concept comme ça, afin de pouvoir donner la parole aux artistes quelque part. Voilà. Il joue sa partition. Tu vois ce que je veux dire? Si toi aussi, tu veux voir une biographie du rappeur Amenem sur Crackflow, dis-le moi dans l'espace commentaire de son début derrière l'école normale jusqu'à Universal Music en passant par Dynasty. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux plus en savoir, voilà, dis-moi ça dans l'espace commentaire. Donc Amenem, chapeau à toi, tu as sorti de la balle avec cette série de sons. Mais avant d'ouvrir le portail de nouveau, voilà, il y a eu un pic lancé directement au rappeur Flow du Sud. Et nous savons tous que le Flow du Sud a cet honneur, a cette éthique qu'il n'aime pas qu'on bafoue. Il avait déjà un peu répondu à MC Bright. Et là, de nouveau, il se voit encore clashé. Mais attention, les rappeurs au Gabon nous ont appris deux choses. La toute première chose, c'est qu'ils peuvent se niquer pour du buzz. Tu vois, à la fin, c'est pour faire sortir un son. C'est pas mauvais, c'est le rap game. Et comme je l'ai toujours dit, dans l'industrie de la musique, dans l'industrie du rap, il y a cet ADN clash rap. Voilà, c'est pour se donner du buzz, mais aussi c'est pour se détruire. Donc, au sorti d'un clash, il y a toujours un gagnant et toujours un perdant. Et souvent, le perdant disparaît. C'est un peu le cas de SNK avec Booba ou encore voilà, Lafrine ou encore le clash avec Koba Building. Je vais taire le nom, mais bon, il se reconnaît. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous avons un nouveau clash avec Domon et Flow du Sud. Qui va gagner? Qui va sortir de là vivant? Dis-moi tout ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Donc, après cette série de clash et surtout le rap de Domon où il a lancé un pic au rappeur Flow du Sud, le Flow du Sud a dit « Bon, ok, Ndami, tu vas te wise. Tu vois ce que je vais dire ?» Et là, il a fait sortir un son lit. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses dans l'espace commentaire. Et sans plus tarder, on se retrouve après la vidéo. Kaja! Dieu l'opère. Adieu.
Tu penses que Mario est fier de toi, Mbadinga? Oui, le frangin n'est pas fier de toi. Et quand il pense qu'il a fait briller des artistes comme Manji Bling, comme c'est le frangin, il y a des vérités qu'on ne dit pas. Mais qu'est-ce qui se passe, grand? Tu veux un feat, mais appelle-moi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, grand? Si tu veux un feat, appelle-moi, bro. Pas besoin de passer par mille chemins. Bon, déjà, moi, j'ai envie de souligner un truc qui apparaît toujours dans les vidéos du Flow du Sud. Premièrement, son décor. Il a toujours des décors très simples, notamment avec, on peut voir hein, dans cette image, par exemple, qu'il est dans une ruelle assez obscure. Mais bon, avec deux bidons d'eau à la main. Et voilà, il montre simplement la vie quotidienne qu'il vit ou simplement les réalités du pays. Tu vois, habillé simplement et tout, etc. Et c'est ça un peu l'idée, l'étymologie même du rappeur Flo du Sud. Donc, c'était juste un passage à souligner. Sans plus tarder, Kaja! Tu préfères me donner les fesses, mais qui t'a dit que je vais te ken, moi? C'est le son de Nomboula qui baille, mais c'est toi qui te fais voir. Parce que Mouriri a porté la veste. Tu dis aux gens que j'ai pas les habits, mais dis-moi, est-ce que tu m'as vu cacher ça? Toi, tu es la plus grosse honte. Voilà. C'est là. On t'a dit que j'ai pas les habits, mais qui t'a dit que j'ai caché ça? Tu vois ce que je veux dire? La punchline, tu vois en fait. Et c'est là, il répond directement à Andoman. Qui t'a dit? Moi, je ne cache pas que je suis un garde du terre-terre. Je ne cache pas que voilà, j'ai pas d'habits. Je ne cache pas que je suis simple. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, sans plus tarder, Kaja! D'Africa Dream, tu peux pas nous cacher ça. Le peuple est au courant, grand. Tu habites où? Où habites-tu, cou? Mais sache que personne ne t'envie. Si tu as grandi dans la cité, faut bien choisir les gens avec moi, tu t'adaptes pas. Moi j'ai grandi au quartier. Chez nous 24h sur 24 c'est la bordellerie. Le manquement c'est la pandémie. Toi tu n'es que la poupée d'exposition d'Africa Dream. Quelle honte, mais quelle honte. Tu seras le premier classique au monde qu'un bleu va bisouter. Le premier classique au monde qu'un bleu va bisouter. Tu seras le premier classique au monde qu'un bleu va bisouter. Personne ne sort, Aménem, je dois d'abord t'allo Shintoman. Personne ne sort, Aménem, je dois d'abord t'allo Shintoman. Loué de Bangui, serait un bandit, donc il ne savait pas que j'étais maudit au quartier. I love this game. Donc c'est ça le rap game. Mais bon, voilà, Flo du Sud, il dit simplement loué de Bangui, serait un bandit, Doman. Donc tu savais pas que Flo du Sud c'était un bandit. Tout ça, c'est sur Crackflow. Bro, c'est juste un malade. Kaja! Des règles, même s'il y a le nier, elle a le gaba et le shiba. D'abord, fermez-moi le portail là. Fermez-moi le portail là. Fermez-moi le portail là. Fermez-moi le portail là. Eh, oh, ayou. Ndoboa, oh, ayou. Je jure, t'as trop de la chance, la honte ne tue pas, ah oui. Y'a des rappeurs qui méritent la tôle comme Doman et son groupe d'amis. Car si on met l'argent, on ne voit rien. C'est qu'on peut parler des détournements, non? Je me disais bien, y'a un rappeur qui me fait penser au gouvernement. Depuis qu'un chipling a barré une dame africaine. Non, mais c'est juste un malade, quoi. Oh, tu fais tout ce que tu fais, mais on voit rien, bro. Et là, tu fais penser à un gars du gouvernement. Hein. Tu as de l'argent, mais ça va où? Ça va où? Tu habites où? Kaja. Dream c'est un fantôme, quand je pense à tous les moyens là, quand je pense à tous les moyens là. Un seul clip de Ndoman, buy tout mes clips, sa promotion, buy toute ma zik, y'a même la monnaie pour la voiture, adieu. Peut-être qu'il faut laver le corps, peut-être qu'il faut laver le corps. Tout l'argent finit dans la com, tout l'argent là finit seulement dans la com. Et depuis là aucun résultat, quand tu vois la carrière de Ndoman, tu sens qu'il y a des artistes qui méritent la tôle. Tiens les... Yeah, I love this game, guys. Bon, voilà, tu as des sons lit, tu fais sortir des sons lit, c'est dosé, mais tout ça, ça va juste dans la com, Ndoman. Arrête, man, hein. Donc, il dit aussi que voilà, un son de Ndoman, ça baille tous les cacos, tous les habits, voilà, du Flow du Sud. Y a même de la monnaie pour acheter une voiture, gars. Donc, déjà, Ndoman, t'es Bacchus, hein. So much money, too much money, bro. I love this game. Kaja! Wabi d'accord. Wabi chukou. Tu dis que tu as beaucoup de fans, mais ils sont où? Ah mon dieu, on les voit jamais. Un peu comme le cas de la Covid.
Tu dis que tu as beaucoup de fans, mais ils sont où? Ah mon Dieu, on les voit jamais. Un peu comme le cas de la Covid. Love it, I love it, I love this game, god damn it. Yeah. Alors c'était le son du Flow du Sud hein, qui s'adressait directement au rappeur Domane. Donc c'était une réponse déjà à ce son là qui sortait de Personne ne sort. Donc il y avait ce pic là comme je le disais notamment. Voilà les rappeurs gabonais ont faim. Regarde simplement l'habillement, comment s'habille le Flow du Sud. Et comme je te l'ai dit, le Flow du Sud, il n'aime pas quand on bafoue son honneur. Il n'aime pas quand on salit son image. Donc voilà, il a cette éthique là, cette honneur qu'il aime toujours représenter. Et là il a dit ok, tu as voulu chercher et tu as trouvé. Bon, si c'est pas une affaire de buzz, même si sur le buzz on s'en bat les yeux, moi je donne du buzz, voilà. Donc voilà, donc quelques temps plus tard, désolé, quelques temps plus tard, voilà, Ndomine il ne dort pas. Déjà moi j'étais très chaud, hein, bon, ok, Ndomine il a fait une punchline et moi je vais, et Flow du Sud a répondu, bon, je fais la vidéo, voilà, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe maintenant, avant que j'active, voilà, mon ordinateur, Ndomine a balancé la notification, ping, réponse, RIP Flow du Sud. Wow! Et là, je t'invite à découvrir la réponse du rappeur Ndomane. J'ai pas envie de dire Ndoboa. Ndomane sur le titre RIP Kaja. Donc déjà, la toute première, voilà, la toute première phrase de sa vidéo, elle commence en disant « Cette vidéo a été réalisée avec un iPhone XR. » Le Flow du Sud que Flow du Sud n'aura jamais dans sa vie. Mais bro, tu as la monnaie pour la voiture, donne aussi, frangin, il va bailler le XR, tu vois ce que je veux dire, non? Mais donc, bref, déjà, c'est assez violent, donc sans plus tarder, nous on continue et on se retrouve dans le son. Kaja! Yeah! Kingdom! Cette image ne vous rappelle rien, les gars? Déjà, je peux donner quelques interprétations. Pali Kaja. Alors, la toute première interprétation, moi, ça me rappelle déjà un peu, voilà, ce background, le style même du Flow du Sud. Flow du Sud, il montre toujours qu'il est dans la street, qu'il vit dans la street, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, voilà, il a une pelle à la main. Je sais pas, je crois que Flow du Sud avait aussi une pelle ou une pioche. Mais bon, tu veux construire le rap, t'as ta pioche, moi, je m'appelle. Je m'appelle. Tu vois ce que je vais dire? Valide, abonne-toi, bro. Donc, déjà, ça, c'est la première interprétation que je peux donner sur la toute première image. Elles sont toujours importantes. Donc, c'est la toute première interprétation. Mais aussi, peut-être qu'il dit ou il montre, voilà, au Flow du Sud, où il habite, où, en fait, ce qu'il fait, en fait, il va charbonner, il va construire sa maison. Tu vois ce que je vais dire? Il a une pelle pour aller bâtir un bâtiment, une maison, etc. Mais c'est simplement la vie, c'est simplement l'interprétation de Crack Flow. Donc, sans plus tarder, découvrons le son ensemble. Pali Kaja. King, Africa Dream. Tu vas mal finir, tu vas finir mal. 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 L'enfant de maman Jeannette, dis-moi un peu qui t'a menti que tu pouvais me ken. Tu n'as pas la dégaine, sur scène c'est pas la peine. Tu ne pourras pas me ken, yo ma main, tu y es ma chienne. Qui pourra me kill, kill, qui pourra me ken, ken. Défie même comme les... Attends, j'ai kiffé une phrase là. L'enfant de maman Jeannette, c'est qui l'enfant de maman Jeannette? Le Flow du Sud ou lui? Mais bon, j'ai toujours envie de mettre ça en parallèle avec le fils de Marcelin. Et là maintenant c'est l'enfant de maman Jeannette. Les gars... Ils sont trop forts quoi. Clin d'œil à voilà MC Bride. Oh non, bref, je sais pas les gars. Qu'est-ce que vous avez dans l'industrie de la musique? Voilà au Gabon les gars, qu'est-ce qui se passe? Alors on va continuer, on va découvrir le son. Bien aime la haine, Ken. Ne m'appelle plus grand, tu as dépassé mon âge. Le plus grand t'as peur de Moïse, du charbonnage. J'ai le flow qu'il faut, mais ça ne vient pas du sud. On doit te mettre dans la catégorie de maman grand nord. AK, Flow du Sud, c'est un petit bagou. Tu nous fais rire, ton clip c'est le rire à gogo. Il y a 16 qui ne sera jamais leur écomique. Vous n'êtes que des tintins, vous n'êtes que des comiques. Buzzmatique,
et pas du tout charismatique. Vous n'allez pas gagner comme les opposants en Afrique. Aka, je te fais penser au gouvernement. Mais ta bourse, ça va finir dans mon détournement. Tranquillement, m'arrêter mes petits humains. Mais la bavette quand tu me parles, ta bouille sort. Tu n'es pas beau, tu as les odeurs. Yako, que le gros t-shirt sous le soleil. Mamo, je t'informe que j'ai ken ta sœur. Si tu veux la casse, je te frappe comme ton père. Oko, tu y habites où? Tu veux dormir avec moi? Tu veux que je te casse quand je pique? Alors, il répond directement au Flow du Sud, parce que Flow du Sud avait dit, voilà, et j'ai interprété ça d'une manière en disant, voilà, de la première image, mais bon, il avait dit, Flow du Sud, tu as de l'argent et tout, etc., mais tu habites où? Tu habites où? Tu vois ce que je veux dire? Et là, il répond en disant, hein, quoi, tu veux savoir où j'habite, quoi, tu veux quoi, que je te ken, tu veux, hein, tu vois, you know what I mean, hein? Non, les gars, c'est pas bon, les gars, c'est pas bon. Mais bon, sans plus tarder, Kaja. Ni mani, c'est ta sœur qui avale. Oh, ta sœur elle a chatte comme le boulevard triomphal. À 2 heures, je pourrais te ken à toute heure. Allez, dites-leur que Kingdo, c'est le meilleur. Je ne suis pas dans les choses King, quoi. Kif, atta, comment je déchire, tata. Yo, pata, teke de kabele, kata. Aka, un retour à la lampère, bata. J'fracasse, ouais, c'est qui me bia dit, maman. Mon son est viral, tu peux l'appeler le corona. Fais pas le kina, kina, tu ne mets pas le feu, tu pourrais te vima, vima, c'est pas le fait, le fait. Mong la kang, kang, mong la kang, mong la bébé. Flow du sud, le plus vilain du pays, ça va la bé. Bon, les gars, content, je continue ou bien je m'arrête? Continue, gars. Je continue ou bien je m'arrête? Continue, gars. Petit, tu vas bisouter qui? King, j'ai fini l'école depuis. Akora me miss, ma zone akora me vala. Monsieur se wakaba kaba wabominala. Nala, daebola nyo, monsieur diavala. Bavala, zavala nyo, monsieur diavala. Nyavala, fleur du sud, tu ne ken que tes 5 doigts. Champion à la masse, tout ananas et Nivea. Dis à ta sœur que je n'ai plus le temps. Je t'insulte comme Rodzin, petit bas de con. Je te casse ton cou. Non, trop violent, les gars, c'est pas bon, faites la paix, les gars, faites la paix, c'est pas top. Bon, déjà, en passant, je kiffe grave l'instru. Ouais, demain, tu as ramassé, tu as pris l'instru, ouh, mec, et en plus, il cascade dessus, mec, hein, il balance punch sur punch, insulte sur insulte. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Faites la paix, s'il vous plaît, faites la paix, les gars, faites un featuring, les gars. Kaja, te casse ton dos, demande à Natacha, elle sait bien que Doman est doux. Yeah, fuck yeah, le sud, fuck. Attends, c'est qui Natacha? Domani. Natacha. Que passo? Kaja. Fuck Bully Tribe, fuck tous ceux qui m'attaquent. Fuck tous tes gars, man. En plus, il se permet de chanter, quoi. Dommage. Il se permet de chanter. En passant, il chante très bien. C'est mon avis. Kaja. Tout se passe comme prévu, gars. Le plan suit son cours. Faut savoir un truc. Quand tu prends une décision dans ta vie, il faut avoir les moyens de ta politique, Joe. Ils sont naïfs de croire qu'on sait pas ce qu'on fait. Il y a 2 choses à retenir. Premièrement, on s'en bat les couilles de leur avis. Et secondo, celui qui perd la route, à partir de maintenant, on va le recadrer. Gang, tu vas mal finir, tu vas finir mal. 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 Yeah. Bon, pas très grande chose à ajouter, si ce n'est que les 2 dernières voilà, phrases ou bien là, ce que Domain lui-même il a dit. Il y a 2 choses à retenir. Premièrement, ils sont naïfs, ils savent pas ce qu'on fait.
Ça veut simplement dire que peut-être que c'est un truc à buzz. C'est quelque chose qui s'est... Ils se sont entendus entre eux. Voilà, on va faire un clash ou etc. pour faire sortir après un tube. Moi, je dis toujours que c'est pas mauvais, les gars. Voilà, c'est comme ça, c'est dans les normes de l'art et tout, etc. Et comme j'ai toujours dit, le rap clash est dans l'ADN, tu vois, du rap, du rappeur, tu vois. Si tu sais pas clasher quelqu'un, si tu peux pas survivre à un clash, tu es mort. Et les fans t'abandonnent, un peu à la SNK ou encore beaucoup d'autres rappeurs, ou bien Ja Rule et tout, etc. Qui, voilà, n'ont pas pu résister au clash. Ils sont morts, aujourd'hui on parle plus d'eux. Mais bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, voilà, on s'en bat les yeks de ce qu'ils vont dire. Tu vois ce que je vais dire? Donc on s'en bat les yeks, tu peux dire tout ce que tu veux. Voilà, moi j'ai ma vision, on a la vision et on va atteindre nos objectifs. Ça c'est un point. Et aussi, si tu te positionnes mal, on va te recadrer. Donc, tout est dit, tu vois, tout est dit, c'est certainement un rap à buzz, et si c'est un rap à buzz, moi c'est au KLM, je suis là pour donner du buzz à Andoman et aussi au Flow du Sud. J'espère que tu as aimé la vidéo, donc déjà, dis-moi si toi aussi, voilà, tu as ton avis, hein, dis-moi ton avis dans l'espace commentaire, pour toi, qui a fumé l'autre, qui a gagné. Quelles sont les imperfections, quelles sont les bonnes choses et tout, etc. Voilà, c'était MC Crackflow sur les platines. À nous revoir. Crackflow, 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 j'ai les